Europe 1, j'ai choisi pour vous. J'ai choisi pour vous ce matin un revenant. Nous excusons d'interrompre le cours de ce spectacle, mais nous voulons apprendre qu'un homme vient d'être retrouvé enfoui dans les glaces depuis 65 ans. Après de réchauffement progressif, le docteur Barkov et moi-même avons constaté une reprise des mouvements cardiaques. Non, cette fois, il ne s'agit pas de Louis de Funès dans Hibernatus, mais d'un ver, un ver microscopique qui a été ramené à la vie après avoir passé, tenez-vous bien, 42 000 ans dans les sols gelés de Sibérie. C'est une équipe de chercheurs russes et américains qui a publié cette étonnante découverte dans une revue scientifique, rapporte le Figaro. Les biologistes ont extrait du permafrost sibérien. Le permafrost, c'est un sol dont la température ne remonte jamais au-dessus de 0 degré. Ils ont extrait des échantillons contenant des centaines de nématodes, des vers réputés très résistants au froid et que l'on savait déjà capables d'hiberner dans la glace. En 1946, des scientifiques avaient déjà réussi à ramener à la vie des vers vieux de 39 ans. Mais 42 000 ans, ça, eh bien c'est du jamais vu. Ramené à Moscou, le ver plurimillénaire a été réchauffé pendant plusieurs semaines dans une boîte à pétri à 20 degrés. Pour le requinquer, les scientifiques lui ont donné comme nourriture une algue de l'agar-agar et des bactéries. Et là, miracle, les biologistes ont vu dans leur microscope le ver frétiller comme un nouveau-né. Un tel exploit est-il possible pour d'autres espèces, se demande le Figaro. L'étude de ces vers nous permettra-t-elle à terme de nous faire cryogéniser, par exemple pour surmonter d'interminables voyages dans l'espace, comme dans les films Alien ou Interstellar? Eh bien, c'est très peu probable, répondent les spécialistes, tant le corps humain est complexe comparé à ces vers microscopiques. Ce qui est certain, en revanche, c'est l'inquiétude que suscite cette découverte chez une partie de la communauté scientifique. Si ce ver a réussi à hiberner aussi longtemps dans le sol gelé de Sibérie, alors d'autres organismes pourraient bien, eux aussi, être ramenés à la vie. Des microbes, par exemple, des bactéries et des virus préhistoriques potentiellement mortels, dont on ne connaît absolument rien. C'est l'un des risques méconnus du réchauffement climatique. Si le permafrost sibérien venait à fondre, nul ne sait ce qui pourrait en sortir. Europe.